93 FM. Bonjour. Pour nous autres qui n'avons jamais mis pied chez les Blancs, regardons seulement les choses des Blancs à la télé. Faisons des comparaisons avec nos bourbiers africains qu'on appelle Ita et tirons nos modestes conclusions. Cela peut paraître moins rigoureux, moins méthodique, cette façon de juger la gestion des pays poto-poto d'Afrique à partir de ce qu'on voit chez les Blancs seulement à la télé ou alors dans les films. Cela peut paraître peu méthodique, mais toujours est-il que les films ou la télé, c'est à plusieurs égards le reflet de la réalité. Alors ce matin, qu'est-ce qu'on voit chez les Blancs à partir de la télé qui nous intéresse? Il s'agit de la gestion des urgences. Urgences sécuritaires, urgences sanitaires. Dans les hôpitaux chez les Blancs, on voit les médecins, les docteurs, les infirmiers courir lorsqu'ils ont affaire à un cas. Les gens courent. Les alarmes, les gyrophares résonnent. Ça court dans tous les sens. Le personnel est très pressé. Tout le monde est préoccupé. On lit l'anxiété sur les visages. La communication est rapide et impérative. Les gens courent avec les brancards. Bref, dans les films, on voit comment chez les Blancs, ça bouge énormément en situation d'urgence. On sent la mobilisation très active des équipes. Ça bouillonne dans les hôpitaux, même pas seulement dans les services d'urgence. Mais chez nous, c'est tout le contraire, y compris dans les services d'urgence. Personne ne court, même lorsqu'on arrive avec un cas très critique, quelqu'un qui convulse. Le personnel est toujours serein. Chacun marche à son rythme. Personne ne court avec l'ambulance. Personne ne court avec le brancard pour aider les proches du malade ou de l'accidenté à le faire sortir du véhicule qui le transporte. Aucun service d'accueil pour diriger le dit véhicule pour qu'il sache où se trouvent exactement les services d'urgence. Les médecins sont eux calmes. Ils prennent leur temps. Ce sont les proches du malade qui se battent à trouver un brancard. Ce sont eux qui se battent à l'extraire de la voiture. Ce sont eux qui se battent à le transporter ou à l'installer, parfois d'abord sur la véranda. Entre-temps, le personnel médical prend tout son temps. Parfois, c'est à peine qu'ils vous répondent ou vous donnent la conduite à tenir. Ils sont là au téléphone, sur WhatsApp ou Facebook. Vous ne voyez personne courir comme on voit chez les Blancs. Vous ne voyez personne anxieux ou préoccupé comme on voit chez les Blancs. Personne n'a l'air inquiet. Pourtant, vous êtes en train de perdre un proche. Pourtant, votre proche est en train de convulser. Ils sont là, toujours sereins. Des fois, vous restez là sur la véranda ou la salle d'attente avec votre cas très critique. Pendant des heures, personne ne vous gère. Et dès que vous essayez d'ouvrir la bouche pour dénoncer cette attitude, on vous répond qu'ici, on n'est pas pressé. Si vous êtes pressé, allez avec votre malade ailleurs. Ici, on ne soigne pas la mort. Si c'est qu'il va mourir, il va seulement mourir. C'était son jour. Ne venez pas crier sur les gens ici. Voilà à peu près les réponses des services d'urgence de nos hôpitaux publics, juste pour augmenter votre tension et précipiter la mort de votre malade. De toute façon, ce qu'il faut dire avec certitude, avec exactitude, c'est que nos hôpitaux sont des sièges de l'indifférence, des sièges de la négligence et des sièges du je m'en foutisme notoire. Vous trouvez trois bonnes dames assises, elles sont préoccupées par autre chose, pourtant il y a un cas qui est devant elles, quelqu'un qui agonise. Après, elles vous disent qu'elles avaient d'abord à faire. À faire comment? Il y a quoi à faire dans vos téléphones ou vos papiers lorsque vous avez devant vous quelqu'un qui perd progressivement ses forces, quelqu'un qui est en train d'agoniser. Rien n'est vraiment urgent dans nos services d'urgence. Rien du tout. Et c'est la même réalité au niveau des interventions de la police, de la gendarmerie ou des sapeurs-pompiers. Ils ne sont jamais pressés. Les gyrophares résonnent rarement dans nos villes, sauf lorsque ces gens veulent braver les embouteillages, lorsque les gros poissons de la République des inutiles sont en train de vouloir braver les embouteillages. C'est là où vous réalisez qu'il y a urgence dans ce pays. Quand leur cortège passe, on vous dit c'est tel ministre, il faut libérer la route. Ou lui c'est qui pour se prendre pour le nombril du pape, pour le citoyen extraordinaire, personne ne sait. Jamais vous n'allez entendre qu'on des
dégage la route pour aller porter un Camerounais qui est en train d'agoniser dans un sous-quartier. Jamais. Et ce je m'en foutisme en situation d'urgence, surtout dans nos hôpitaux, trahit à suffisance le niveau du déficit d'humanisme chez les Camerounais. Ce je m'en foutisme des infirmiers et médecins montre que les gens n'ont plus assez de cœur dans ce pays, que les gens ont peu pitié des autres dans ce pays. Bonne journée à tous. Bonjour. 93 FM.